comme t'étais pas là la semaine dernière, petit trou du cul. Eh ben voilà un résumé de la dernière émission. Enfoiré. J'aime bien le côté maison close, effectivement. Tu veux m'inviter dans ta baignoire? Hein? Tu veux? J'ai envie de prendre des photos dans ta baignoire. Ça t'intéresse? Est-ce que ce jean, il me fait un gros cul? Non, c'est les Big Mac que tu bouffes, connasse, qui te font un gros cul. C'est comme l'épisode de South Park de Noël avec les petits animaux de forêt, quoi. C'est safe, c'est à regarder en famille et orgie dans le sang, quoi. Les gens, ils aiment pas comment je dise des chips. Chips. Des chips. De chips. Les chips. En chips. Ketchup. Des chips. Chips. Des chips. Et le chip. Ta gueule! Debout, elle est moche, j'espère qu'on peut l'allonger. Comme ta sœur. Sister, ma sœur et ma mère attendent toujours tes prestations. Toutes les femmes sont belles. Au bout de ma bite. Comme ta mère, elle est grosse, elle est moche. Bon, je l'ai épousée, hein, maintenant. Ow! Quand t'as un gros cul, c'est compliqué. Je vous la mets bien ferme ou un peu molle comme dans les mamans. Ma mère ouais, moi, je suis un gitan, tu me connais pas. Mais peu importe. Je sais même pas comment ça s'applique, on va essayer en live, hein. On va voir ça. Vas-y, faut que t'en mettes beaucoup et pour éviter de briller, et que tu te mettes un peu de blush pour ressortir les pommettes. Je remets un petit peu, là. Ah, voilà. Vas-y, vas-y, Mister. Santé. Appelez-moi Mister Trump Cool. Je suis un gland. Mais bien sûr, je m'appelle Mister, je passe cliché. Moi, j'ai un front brillant. Vous êtes con, mais c'est l'un ou l'autre. Ah, mais les mecs, regardez bien cette émission. Regardez cette émission parce que ça vous fait prendre des points de bourrecitude. Les produits drogués sont vos amis pour la vie. Qu'elle soit grosse, qu'elle soit moche, je m'en bats la race tant qu'elle me crache un truc. Comme ta mère, allez vous faire cuire le cul. Je suis minimaliste autant que je peux. On est bien dedans. Comme ta mère. Enfin bref. Dans ton disponible, dans ton bon japonais, avec sauce au chat sucré. Allô, j'ai des phoques à votre service. On va découper du mongol, hein. Connard de mongol. Enfoiré de mongol. Chinois de Corée, du japonais. Des chinois du Japon. Alors, il est pas tout jeune, mais il a pas été très utilisé. Comme ta mère. Mais en ce moment, chez Leclerc, vous avez aussi le fondant au chocolat. Il est vendu seulement 2,40€ les deux. Vous me broyez les couilles, hein. Ils sont vraiment fous chez Leclerc. Et en plus, vous êtes remboursé sur votre carte à condition de... Oh là là. Franchement, moi, je sais pas toi, Janine, mais je vais acheter tout le stock. Allez, démarre la voiture. On va parler pornographie. Oh tiens, mon hamster, je veux lui faire un cadeau pour Noël. Je veux lui acheter une nouvelle petite roue. Oh tiens, un site très populaire de hamster. Voilà X-Hamster. Je vais voir ce que c'est pour acheter des accessoires pour mon petit animal d'amour favori. Des yonfs, des dessins en plein en grand écran et de la top qui gicle. J'étais à deux doigts. Hein. Comme ta sœur. Pantalon ou pas pantalon? Alors, je porte un boxeur. Hop, avec l'arrêt de mon cul. Ce boxeur... Le retour, il fait mal. Ah oui, on a vu l'arrêt. Ouais, le retour, il fait mal, là. Le retour de l'arrêt, le retour de l'arrêt. Donc Dobby, c'est le nom du con de chien que j'ai à la maison, mais qui est un abruti total. Le chien le plus con de tous les temps, qui m'a bouffé mes médocs une fois, deux fois, trois fois, qui chie, elle pisse partout. Sur l'échelle de la connerie, Dobby, elle clôt le truc, quoi. Quand je suis ressorti des toilettes, elle avait pissé, elle avait chié, et elle avait mangé le petit médicament pour mon otite, là, pour mon oreille.